un petit teaser, etc. Un petit truc un peu nostalgie. Et du coup, ouais, mon projet ultime, tu vois, c'est vraiment d'avoir ce côté où on fait une équipe code, un peu ce que la K-Corp a fait, etc. Mais en équipe code, après, ça coûte beaucoup plus cher, ça coûte machin, mais on va tout donner pour essayer justement de trouver les fonds avec les gens qui nous soutiennent au quotidien, avec peut-être des sponsors, avec peut-être des structures, on va voir. Mais en tout cas, c'est vrai que, disons que comment moi je vois l'avenir et comment j'ai envie de travailler sur certaines choses, tu vois, pas qu'on a plus les mêmes valeurs avec Vitality, mais c'est un peu différent, tu vois, disons que c'est plus les mêmes lignes directives qui nous dirigent, entre guillemets. Donc attention, hein, Vitality, c'est pas le mal, c'est pas machin, mais c'est vrai que, disons que j'ai un peu le sentiment que, tu vois, à l'époque, quand on a créé Vitality, qu'on commençait, tu vois, on était le Vitality, la petite structure française qui c'était David contre Goliath, tu vois, t'avais des gros Ebedjack, Millennium, etc. On était là pour changer tout ça. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure des années, j'avais un peu l'impression qu'on devenait un peu justement l'inverse, qu'on devenait ce qu'on combattait à l'époque, tu vois. C'était mon ressenti à moi, c'est pas véritablement ça, mais c'est un peu le ressenti que j'avais, qu'on était en train de devenir justement ce qu'on reprochait d'être à l'époque et ce qu'on combattait à l'époque, etc. Et ouais, quand je voyais des K-Corp, des machins, etc., tu sais, j'étais en mode, mais qu'est-ce que je fous, moi? Moi, c'est moi aussi, j'ai envie de faire des rêves, moi aussi, j'ai envie de faire des équipes codes, des machins, des trucs comme ça, tu vois. Et on a grandi tous ensemble, je reste super fier de tout ce qu'on a fait avec Vitality, et je pense que ça va continuer parce qu'actuellement, Vitality est et restera très longtemps, je pense, la structure la plus big en France, et qui